Coucou tout le monde, une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu à midi au courrier par un transporteur particulier. Donc c'est DHL Express et ça vient de Chine. Ça vient de AliExpress. Donc là j'ai une feuille avec le récapitulatif et toutes les informations. Donc la date d'exportation est le 31 octobre. Et aujourd'hui nous sommes le 4 novembre. Donc vraiment très très rapide. DHL c'est très rapide. Il faut demander à vos vendeurs d'envoyer par DHL parce que il faut regarder si vous avez DHL. Parce que DHL c'est vachement vachement rapide. Donc quand on ouvre, on a un petit colis comme ça. Et donc c'est un colis partenariat pour vous présenter, c'est une vidéo présentation de ce qu'il va y avoir prochainement dans notre boutique de Readi Lady et sur notre groupe Facebook. Donc là je suis en train d'ouvrir, donc je vais vous présenter tout ça. C'est un partenariat avec lui, moi je fais les vidéos pour la France en échange des produits gratuits. Donc voilà, donc là je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Donc là, on va commencer par... Donc ça, je l'ai eu en deux exemplaires. Donc je vais vous en présenter qu'un. C'est un pilulier avec des grandes... Ouais, je pense que ça sert de pilulier. Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'à la base, c'est des piluliers qu'il va vendre. Donc ça, ça va être vendu prochainement, très prochainement sur la boutique. Donc là, le premier rose, vert, jaune. Les cases sont assez grandes. Là, derrière, nous avons des étiquettes. Et dedans... Oh, je suis désolée, je suis un peu mal installée pour tourner. Je vais vous ouvrir un sur les deux. Sur les deux, tournent les mêmes. On a... Ils mettent en plus... Voilà. Et ça, c'est génial. Deux petites cuillères pour attraper les diamants. Deux petites cuillères, on dirait des cuillères à glace. Et là, voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Mais par ma foi... Ah ben, elles ont l'air de super bien fermer, contrairement à celle de Action, qui laisse un petit jour passer et que du coup, on est embêté parce que si on se coupe, ben, ça mélange les pierres. Donc je pense que c'est les mêmes... Oui, c'est exactement le même qui est enveloppé. Donc voilà, j'ai reçu deux comme ça. Là... Ah, ça c'est la colle. J'avais une personne qui en cherchait justement l'autre jour. Donc ça c'est de la colle pour les stylos. Donc là j'ai une grosse quantité de colle pour stylos. Donc ça si vous en voulez, laissez-moi un message. Je vous fais un petit lot pour pas très très cher quoi. Voilà. Donc là j'en ai, je ne sais combien. Peut-être une trentaine, je sais pas. Donc c'est de la bleue. Je connaissais pas la bleue, je connais que la rose et la blanche. Donc peut-être qu'elle est un peu plus forte. Après, à présenter, j'ai encore quoi. Après, c'est des outils. Donc, ça, c'est les pinces classiques qu'on retrouve sur sa boutique. Qu'on retrouve dans les kits qu'il nous envoie. Le bout recourbé. Après, celle-là, elle n'est pas recourbée. C'est la même, mais non recourbée. Après, donc, je garde les nouveautés pour la fin. Et je vois les nouveautés, mais je suis super contente. Tous les liens de toute façon seront en barre d'infos pour aller rejoindre ces boutiques et venir nous rejoindre sur Facebook, sur notre groupe. Donc ça c'est de la colle et ça c'est pareil, personne n'en vend, je crois pas, j'en ai pas vu. C'est une nouveauté de sa boutique, là on passe aux nouveautés là. Vraiment les nouveautés, les piluliers aussi ça va être des nouveautés. C'est de la colle quand votre toile ne colle plus. Quand vous avez ouvert trop tôt et la toile et du coup il y a des endroits que ça colle plus ou que la pierre ne colle plus, c'est de la colle à mettre. Ah oui, c'est comme de la... C'est un tout petit bouffin. J'arrive à faire la macro. Ça fait un tout petit trou fin au bout et vous voyez dans le bouchon il y a une petite barre de fer qui rentre dedans pour pas que ça se bouche. Et la colle apparemment il est un peu bleutée. Il y en a un petit peu qui est sorti.
Donc ça, c'est de la colle pour remettre sur la toile pour que ça colle. Voilà. Ou pour coller les pierres quand elles se sont tombées, qu'elles collent plus. Moi, d'ailleurs, pour ça, je mets, dès que ma toile est finie, c'est tout sous des cadres. Je mets tout sous cadre, comme ça, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Alors, j'hésite à vous présenter. Moi, je garde le meilleur pour la fin. Ce que je préfère de tout, je le garde par la fin. Donc là, on a un autre emballage. On va prendre des ciseaux. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, pourquoi pas. Parce que la colle, j'en ai plusieurs. Pourquoi pas vous faire un lot. Un pilulier, je pourrais peut-être vous en vendre un. Et ce qui va venir, je sais pas, il faudrait que je voie. Donc là, on va voir les nouveaux crayons qu'il va y avoir dans la boutique aussi. Donc ça, c'est des crayons. On en a deux. J'en ai un bleu et un rouge. Je vais vous ouvrir le rouge. Enfin, pas très rouge, il y a rouge bleu. Excusez-moi, il est tard, je tourne. Il est un peu tard, je suis fatiguée. C'est rose. C'est pas bleu, c'est rose. Allez, dépêche-toi fort. Donc pareil, si vous voulez des tutos comment servir du matériel, dites-le moi. Donc là, on a le bouchon, il y a la colle qui est dedans directement. Et là, on bouche ça comme ça, et voilà. C'est une fleur. Et là, nous avons un stylo pour prendre deux pierres à chaque fois. On peut choper deux pierres à chaque fois. Donc pour... là, il y a de la colle dedans. On voit, il y a un petit peu de colle dedans. Voilà, là ça permet de prendre deux pierres à chaque fois et de coller donc deux pierres à chaque fois. Pareil que pour le reste, hein, on pique là, on prend un peu de colle. Et puis on attrape nos... Donc là on l'a en rose. Voilà, le devant. Et donc je vais pas le sortir de l'emballage, mais il y est en bleu. Et pareil avec la colle dans le bouchon. Et alors, le summum. Le summum, pour moi c'est le summum. Franchement c'est la beauté incarnée. J'en ai deux, j'en ai trois et j'en ai quatre. Les nouveaux stylos de la boutique, donc on dirait des petites chinoises. Ils sont tout décorés comme ça. Après je vais vous en ouvrir un pour vous montrer le bas. Celle-là. Ils sont plastique dur et décorés. Et franchement, je les trouve trop beaux. Celle-là. Et celle-là. Franchement, ça donne envie, vraiment envie de travailler ça. Quand on n'a pas très envie. Alors, je vais vous ouvrir celle-là qu'on a vu un peu moins parce que le papier était un peu abîmé dessus. Il était un peu froissé le papier, donc c'était moins sympa. Donc voilà. Alors, tu fais la mise au point, voilà. C'est en plastique. On dirait de la filmo. On dirait que c'est fait en filmo. Pourtant, c'est doux. Et alors là, on ouvre. Et le bouchon, le... Voilà. Dans le bouchon, on a le truc pour la pierre. Donc pareil, on prend la colle, hop, et on s'en sert comme les autres. Sauf que il est 10 fois plus joli que les crayons verts habituels. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous ai tout présenté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je remercie Réadi Lady pour son don. En échange de la pub. Donc je lui fais de gros bisous et je lui dis de gros merci. Et je vous dis à bientôt sur notre groupe Facebook et sur ces deux boutiques chez AliExpress. Tous les liens seront en barre d'infos. Bisous à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.